À réaliser un bon documentaire pour nous parler davantage, pour nous replonger dans l'histoire, parlant de ce grand artiste aussi, qui est Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918 à Oumtata en Afrique du Sud, Nelson Mandela était issu d'une famille bantoue cultivée et influente. Conscient très vite de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs de l'Afrique du Sud, il entreprend des études de droit et intègre plus tard l'ANC, entendu ici African Nation Congress. Il devient très vite l'un des leaders, notamment avec la création de la Ligue de la Jeunesse du Tea Party. Fondateur du premier cabinet d'avocats noirs, il mène des campagnes de non-violence. Mais en 1962, il est arrêté puis condamné à une prison à vie en 1964. Ses 27 ans d'incarcération à Robben Island, mais plus encore à Portland, n'ont jamais entaché sa popularité. Bien au contraire, des artistes sont mobilisés autour de lui, parmi lesquels Johnny Clegg, sans oublier également Will Smith et bien d'autres. Derrière les barreaux, sa radicalisation, ses idées pour la cause noire s'accentuent. Il accordera des entretiens à des hommes de médias, mais aussi à l'écrivain parmi lesquels André Brink. À la fin de l'apartheid, il sera libéré et occupera le poste de président de son parti, l'ANC. Et enfin, pour honorer ses efforts, un poste de Frédéric Kellec qui lui sera cédé. Cependant, il poursuivra sa médiation et obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. À la suite de ses premières élections multiraciales, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Nous sommes là le 27 avril 1994. C'est ainsi qu'il mettra fin à la politique et se réconcilia depuis avec son ennemi juré. Un seul mot, il a toujours dit « aimer, aimer, toujours aimer ». Il remplacera à coup sûr Théodore Thabo Mbeki en 1999 et il va se retirer de la vie politique mais surtout va continuer à soutenir les Sud-Africains. Véritable icône, héros de la lutte anti-apartheid, il va durer dans les années 2000. Il s'engage cette fois-ci dans d'autres luttes, à savoir la pauvreté et le sida. Mais son état de santé aura raison de lui, souffrant d'une infection pulmonaire chronique, probablement liée à de nombreuses années de prison. Il a été l'un des acteurs clés de l'organisation de la Coupe du Monde en 2010, en terre africaine pour la première édition. Il s'éteint à la veille de ses 95 ans, le 5 décembre 2013, à Johannesburg. Véritable personnage historique, la journée du 18 juillet lui a été dédiée par l'UNESCO. L'équipe du Rendez-vous des Arts a tenu à rendre un vibrant hommage à ce grand homme. Et comme dira Crotale, si le savoir est une âme, moi je détiens... Vous ne connaissez pas la suite? La suite est avec vous, Xavier Pierre.